Hello, toi passionné de photos, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en balade, une courte balade, pour te montrer pourquoi l'automne est l'une de mes saisons préférées pour la photo. C'est parti! Alors, tu vas remarquer que j'ai une casquette, pour la bonne et simple raison que l'automne c'est cool, mais quand il pleut, après t'as les cheveux mouillés, donc j'ai fait du cache-misère comme j'ai pu, tout simplement. J'avais rien d'autre sous la main. Donc, l'automne c'est cool, mais c'est un peu compliqué niveau temps, parce que des jours comme aujourd'hui, tu peux avoir un bon gros coup de pluie et 5 minutes après, un soleil très clair ou un ciel très diffus comme tu peux le voir là sur l'arrière-plan, ce qui est assez compliqué parce que ça te crame la luminosité. Et bon, là pour la vidéo en tout cas, c'est pas idéal. En photo, ça se rattrape, c'est pas un souci. La première raison pour laquelle j'adore l'automne, elle est toute simple, elle est très visuelle, ce sont les couleurs. Je t'apprendrai à rien, on a de superbes couleurs qui vont être très différentes les unes des autres, surtout quand on sort. À l'intérieur, tu me diras, il fait un peu gris, il faut rallumer les lumières, bon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais dehors, en photo de paysage, c'est assez sympa. L'avantage du début d'automne, c'est qu'on a encore beaucoup de couleurs. On a du vert, avec les feuilles bien sûr, le marron des troncs d'arbres, les feuilles marron-jaune. C'est la voiture. Les feuilles marron jaunes qui sont plus ou moins par terre ou dans les arbres. Et en plus de ça, quand il a plu récemment, comme c'est le cas ici, on trouve de jolies surprises même par terre. Et donc, on peut faire de jolies photos. Et donc la photo que tu vois juste là illustre très bien ce que je viens de te dire. J'ai des champignons sur un lit de feuilles avec différentes couleurs. Et ça, je trouve que c'est super. On a même des trucs magiques. Bon, magique, j'exagère un peu. Regarde, on a encore des baies sur certains arbres. Des baies rouges, ça c'est super intéressant. Et voilà ce que ça donne. Bon allez, on passe à la deuxième raison. Même si aujourd'hui, elle est un petit peu trop facile, je trouve. Mais globalement, en début d'automne, tu te les cailles moins qu'en fin d'automne. Et surtout, t'as beaucoup moins chaud qu'en été. Alors tu vas me dire, on n'est jamais content, ça je laisse les gens en débattre. Moi personnellement, je ne suis pas une fan de très grosse chaleur, ni de très gros froid. Après je vais faire ma chiante, je ne suis pas non plus une fan de trop d'humidité. Donc là aujourd'hui il vient de pleuvoir, mais je peux sortir sans être mouillé, c'est pas trop mal. Tu vas aussi avoir l'avantage d'une lumière qui va être plus douce. En été elle est souvent très dure avec un soleil direct, en hiver aussi, et il fait froid en plus. En automne, la couche de nuages qui est assez régulière, ça permet de diffuser la lumière et de ne pas avoir trop d'ombre marquée sur tes photos, et ça, c'est assez sympa. Comme tu peux le voir sur cette photo, l'avantage, c'est que j'ai le soleil qui est arrivé sur la droite de la photo, mais qui a été diffusé déjà par le fait qu'il y a un gros voile nuageux, et en plus de ça, par les feuilles des arbres. Donc, les feuilles qui sont à gauche, et toute la partie gauche de l'image, est relativement douce. Et ça, c'est appréciable parce que ça ne met pas d'ombre trop marquée. Autre avantage, les effets créatifs qu'on peut obtenir. Alors, par créativité, tu vas me dire, ouais, enfin là, tu es en train de te balader clairement dans la forêt, presque. Oui, mais quand il pleut, regarde ce qu'on peut obtenir. Ça, ou encore ça. Et ça, c'est super créatif. Ça peut rester commun, mais au moins, ça permet d'ouvrir l'œil et d'aller voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut shooter, chercher ce qui nous intéresse en fait. Regarde, encore un bel effet et de la créativité qu'on peut avoir grâce à la lumière. Donc là, je te mets deux points en un. Je sais pas si ça va se voir ici, mais j'ai fait une photo. Ouais, ça se voit un petit peu sur la caméra. Tu as juste ici le chemin qui est assez foncé parce qu'il est assez sombre dans l'ombre. Et un peu plus loin, on a de la lumière qui passe et on rajoute de la clarté. Ça peut te permettre de raconter une histoire, quelque chose d'un petit peu onirique ou de mystérieux, ou à l'inverse, tu peux avoir quelque chose de plus clair devant et plus sombre derrière, et franchement, il y a de quoi s'éclater. Un autre avantage à l'automne, c'est que quand tu te balades, il y a un peu moins de monde. Alors, je suis photographe, j'adore les gens, j'adore les prendre en photo, mais quand je me balade et que je fais mes photos à moi, j'ai tendance à être clairement associable. Et faire ce genre de vidéos, ces vlogs, un petit peu, j'aime ça. Mais quand je croise quelqu'un, en fait, c'est toujours un peu compliqué. Donc en fait, moi j'y vois un gros avantage. Et puis comme je disais avec la nature, t'es un peu plus peinard aussi.
tu peux entendre, profiter en fait d'être dans la nature. Je vais pas te dire communier avec la nature parce qu'on voit un petit peu loin, mais ça peut être aussi ça. Et bah, tu fais plein de choses que t'aimes en fait. Tu te balades, t'es dehors, tu fais des photos, tu profites. Enfin, personnellement, je vois que des avantages. Regarde ce que je viens de trouver. Je crois que je vais devoir faire demi-tour. Un autre avantage créatif à l'automne, ce sont les pauses longues sans autre matériel qu'un trépied ou quelque chose de stable et ton appareil en mode vitesse. Comme la luminosité est moins importante, l'avantage, c'est que tu as juste à mettre une vitesse un petit peu lente, c'est-à-dire on va partir à peu près une seconde pour les premiers tests. Le reste, tu laisses l'appareil choisir, il va se débrouiller, ISO auto, ouverture auto aussi, vu que tu es en mode vitesse, c'est l'appareil qui est choisi. Et là, tu vas pouvoir faire des tests à partir d'une seconde, à plus ou moins, et tu vas avoir des beaux effets comme celui-ci, juste là. Bon là, clairement, je galère un petit peu pour ma composition. J'ai pris que mon 50 mm, j'ai un autre endroit à te montrer pour avoir un super résultat. Bon, clairement, ma pose longue, c'est un fail, mais j'ai pas dit mon dernier mot, j'aurai la photo avant de finir cette vidéo. En attendant de faire le chemin du retour, on va passer au point un peu négatif, un peu plus chiant de l'automne. Le premier, comme tu viens de le voir, c'est que ça glisse, fais gaffe. La glissade introduit très bien le premier point, c'est l'eau. Et ouais, il pleut souvent en automne, et donc, bah, faut se bouger un peu pour sortir. Après, si tu as le courage de sortir, si ton matériel est adapté à être un petit peu humide et un petit peu chahuté, ça vaut le coup. Franchement, la photo que je t'ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, c'est une photo que j'ai prise parce que j'en avais un petit peu marre d'être enfermé depuis quelques jours. Là, sur la fin septembre, il n'a pas fait super super beau. Je me suis dit, bon tant pis, j'ai un boîtier tropicalisé. Tropicalisé, ça veut dire que le boîtier est résistant à la poussière, au sable et à toute autre agression comme l'eau et ainsi de suite. Alors clairement, c'est pas waterproof. On va pas mettre ton boîtier dans l'eau s'il est tropicalisé. Tu risques d'avoir de très gros problèmes avec. Par contre, bah, ça permet, par ce genre de temps, de sortir et d'avoir des choses un peu plus créatives. C'était une photo que je voulais faire depuis un petit moment, que j'ai vu passer sur Instagram il y a peu de temps, et bah, en fait, ça m'a titillé de la faire. Et j'avais un petit peu de temps devant moi, 5 minutes, ça m'a pas pris très très longtemps. Je suis sorti, j'ai shooté, et voilà. Donc le temps a beau être un peu plus capricieux en automne, ça peut valoir le coup de sortir quand même. Autre inconvénient, bah, c'est qu'il faut ressortir un petit peu les pulls et les manteaux. Là j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai pas trop trop froid, mais moi qui suis une vraie frileuse, normalement sur mes vidéos en automne, j'ai au moins 2 pulls, voire un manteau, un imper, enfin voilà, j'ai la totale. Très bonne cliente chez Decathlon, et je te reparlerai d'un truc que j'ai trouvé l'année dernière, pour l'automne, fin d'automne et hiver, ce sont des gants, mais avec lesquels tu as les doigts libres pour tes réglages, et ça, ils sont très précieux, donc je t'en parle bientôt dans une autre vidéo. Une autre chose, bah, les journées raccourcissent, donc tu as moins de temps dehors pour sortir. Par contre, ça veut dire que tu n'as plus à te lever très tôt ou te coucher très tôt pour des levers ou des couchers de soleil. Qui dit pluie dit eau, qui dit eau dit boue quand tu es dans la nature, et donc bah, tu es souvent un peu plus facilement cradouille. Ça t'embête pas, c'est à toi de voir. Ça peut être une raison qui est un petit peu négative à l'automne. Une autre chose à prévoir pour tes photoshoots, que ce soit tout seul avec tes paysages ou avec des gens, si tu fais des portraits, ce sont les bébêtes. Et ouais, là moi je suis dans un endroit humide à côté d'un cours d'eau. Clairement, si ça continue, je vais devoir me mettre une moustiquaire sur la tête parce que je suis en train de me faire attaquer de tous les côtés. Donc bon, c'est sympa, c'est la nature, mais la preuve, mais ça peut vite être embêtant, voire un peu stressant quand t'aimes pas ce genre de petite bébête là. En soi, j'ai rien contre elle, hein, mais qu'elle vienne pas me chercher, je leur ai rien fait. Je me balade, qu'elle se balade, mais pas sur moi. Autre point un petit peu négatif, oui et non, parce que je t'ai dit que ça pouvait être quelque chose de positif, bah c'est le côté sombre en fait de l'automne. Là, il fait pas encore trop sombre fin septembre, début octobre. Mais suivant les jours, même s'il pleut pas et qu'il fait tout gris, et que tu trouves le courage, la force de sortir, bah c'est sympa, mais les choses paraissent souvent plus plates sur les photos. Donc ça veut dire peut-être un peu plus de retouches,
ou bien trouver des astuces pour que tes sujets, si c'est de la nature ou même si c'est des gens, ressortent un peu plus si c'est ton style de photo. Si tu aimes les choses un petit peu lisses, un petit peu douces, par contre c'est idéal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu sur pourquoi j'aime pas l'automne. Je pense que toi c'est pareil, tu dois avoir des pour et des contre la photo en automne. Je te laisse me le dire en commentaire, n'hésite pas. Ce serait super intéressant de voir si tu as d'autres arguments positifs ou négatifs. Pour toutes les photos, je te laisse me rejoindre sur Instagram. Tu as le lien qui est juste ici en dessous en description et je te mets le nom du compte. Et tu verras, les photos sont postées assez régulièrement si tu veux voir le résultat de cette petite balade photo en tête à tête avec toi. Comme je te le disais dans la vidéo précédente, je mets en place un club privé. Donc ça y est, le lien est enfin actif. Si tu veux le rejoindre, n'hésite pas à me laisser ton mail et j'ai quelques surprises qui arrivent. Donc si tu veux avoir des choses en exclusivité, je te laisse pareil t'inscrire, cliquer sur le lien du club privé et tu auras un accès inédit à certaines choses. Pour finir, on n'oublie pas la question du jour. Je suis en train de la mettre en place, j'attends encore quelques questions avant de le faire. À chaque fin de vidéo, je répondrai à une question que toi tu m'as posée, pas une question trouvée au hasard, quelque chose de spécifique et de pertinent. Donc si tu as des questions en plus, n'hésite pas à me les laisser en commentaire sous la vidéo ou en commentaire sous un post Instagram et je checkerai tout ça. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, fais-toi plaisir et prends des photos. Ciao. T'as cru que j'avais oublié ma pose longue, hein? Non, 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 regarde, elle est juste là. Je pense que tu l'entends. Donc, on va descendre juste là-bas. Et on va voir ce que ça donne. Bon, je me suis débarrassée du sac dans la voiture. Et c'est parti. Donc, j'ai pas beaucoup à faire. L'avantage ici, c'est que je suis près des temps. Et ils ont asséché un des étangs, donc on a ce que ma fille appelle une petite rivière. Je sais pas si je vais réussir à trouver mon point de vue, mais clairement l'endroit est plutôt sympa. Tu veux un conseil tout bête? Quand tu sors dans la nature, dans la gadoue et ainsi de suite, le blanc c'est pas forcément le mieux en fait. Donc j'ai mis mon trépied, je vais mettre mon appareil comme il faut, je vais essayer de composer ça. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, en fait, je me mets en priorité temps, comme ça. Je règle tout ça sur une seconde. Et on va voir ce qui se passe. On est plutôt pas mal. On va aller chercher un autre point de vue. Ça va être l'outro la plus longue d'une vidéo sur YouTube. Bon, par contre, je te mets les exifs et ainsi de suite. Mais là, avec l'eau, tu risques de plus m'entendre.